ce travail de recherche va développer la relation entre le mouvement et le son. C'est-à-dire qu'on a une réflexion sur comment on va guider un son, et par la suite, le son va également influer sur le mouvement, puisqu'on va pouvoir créer et sculpter de la matière sonore. Là, et là, et l'autre, c'est quoi? Et l'autre, c'est comme ça. Ok, alors. Dans ce gant que je fabriquais, il y a un capteur 9 axes, on appelle ça, et dans lequel il y a des accéléromètres, des gyroscopes et des boussoles en 3 dimensions. Et donc on va utiliser toutes ces données pour produire du son et déclencher du son aussi. C'est ça que je vais miniaturiser. Et comme ça, c'est que t'as. Voilà. Un freeze. On a commencé donc à délimiter des zones de jeu. On a également sélectionné des mouvements qui étaient plus parlants et qui étaient captés par la Kinect et les accéléromètres. Et nous avons assigné des sons déjà et des espèces de mouvements et que l'on va réutiliser dans les compositions. Et l'étape suivante sera de créer des œuvres, ou de créer plutôt deux œuvres, qui vont utiliser ce système de captation et également une projection vidéo. J'étais invité pour ce projet en tant qu'artiste visuel et je fais surtout tout ce qui concerne traitement d'image et capturation d'image et analyse, et donc aussi la création vidéo de la pièce. On utilise différentes manières de captation de mouvement et de captation vidéo. On a décidé de travailler avec la Kinect, qui est une caméra infrarouge qui permet de capturer des images en 3 dimensions. On a plusieurs entrées. Les 3 que j'utilise, et surtout celle que j'utilise, c'est celle-là. C'est, en fait, ça nous permet d'extraire la silhouette du performeur ou de plusieurs personnes qui sont devant la caméra. Ensuite, pour le travail de vidéo, ça, donc avoir des points et avec des coordonnées, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir juste une image, parce que du coup, je peux avoir des traitements algorithmiques sur ces coordonnées. Les points, ils peuvent bouger, ils peuvent se déformer, ils peuvent faire plein de choses. L'objectif de cette hypersynchronisation entre l'image et le son, c'est justement de créer des nouvelles formes audiovisuelles. Cette captation de gestes en 3 dimensions nous a permis de virtualiser l'instrument et de ce fait de se concentrer juste sur le mouvement. Alors le challenge dans cette partition a été de transcrire sur papier
l'univers en trois dimensions dans lequel évolue l'interprète. Alors nous avons découpé l'espace qui est en trois dimensions. C'est l'espace que j'ai devant moi, donc face à, devant les performeurs, en 18 cubes virtuels, c'est-à-dire cour, milieu, jardin. On a trois hauteurs, donc bas, milieu, haut, et deux profondeurs, on a face et lointain. Alors, 1, 2, 3, 4, voilà, 5, c'était ça. 6, 7, 8. Termine avec impact 56. Alors, pour indiquer à l'interprète ce qu'il a à exécuter, je vais indiquer sur cette partition donc, qui est séparée en deux, en haut pour la main droite, en bas pour la main gauche. J'écris de manière traditionnelle un solfège. Donc on a les trois zones ici, A, B et C, qui correspondent aux trois hauteurs de cube. Et pour la profondeur, par exemple, je vais lui dire de jouer une noire dans la case, dans la hauteur B, dans la case 5, que j'indique ici. Voilà. Et pour José Miguel, j'indiquerai en haut que c'est l'événement numéro 1. Voilà. Donc, par exemple, je prends la main ici, je vous montre les cubes. Donc il y a le plan A, B, C. Donc je vais passer ma main gauche face à la caméra. Et donc le 5B, il est là où je vous montre. C'est ici. Donc vous allez entendre le déclenchement. Alors, en plus des zones de déclenchement, j'ai également donc les gants où il y a des accéléromètres. Et ces accéléromètres vont réagir sur un geste assez rapide, souvent, où je simule une attaque sur un instrument. Donc voilà, donc là je vais déclencher, par exemple, un son avec le gant droit. Voilà, le gant gauche. Puis. Voilà. La dématérialisation d'un son ou plutôt d'un instrument permet donc de se focaliser sur le mouvement, et le mouvement peut donc déclencher des sons mais également sculpter du son, laisser une empreinte. C'est-à-dire que je peux, par exemple, dans un cube, je peux prendre un son et descendre le son dans le grave, le monter dans l'aigu, également jouer avec l'intensité en allant en avant, et également actionner des traitements de son en allant, par exemple, vers la droite. Ce qui permet d'avoir une incidence sur l'enveloppe sonore et de pouvoir sculpter le son. Ainsi, le mouvement devient son, et ce qui est intéressant, c'est que le son lui-même va diriger le mouvement. Donc le son et le mouvement ne font plus qu'un. La particularité de cet instrument, c'est qu'il est virtuel, donc il n'est pas devant nous et il y a une part d'imaginaire dans ce qu'on est en train de faire, et il faut arriver à sentir quelque chose qu'on ne voit pas, en fait. C'est une nouvelle confrontation, un nouveau rapport à un instrument, ouais, qu'on n'a pas du tout d'habitude, quoi. Cette expérience, elle se différencie des autres expériences à l'HM parce qu'elle est plus poussée au niveau de la technologie qu'elle utilise. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté à la classe. Après, je trouve qu'il y a quand même un lien par rapport au travail qu'on fait, parce qu'on est très souvent à la classe en rapport avec des pièces mixtes d'électronique et acoustique, les deux à la fois. Et donc il y a quand même toute cette approche qui est commune, et puis il y a aussi tout le travail sur le geste de l'interprète qui là a un rapport avec notre travail à nous. Thank you.
Moi, j'étais très intéressée dans ce projet par justement cet accès aux gestes qu'on a peut-être, dont on parle peut-être pas assez souvent, ou on en parle parce qu'on est obligé de s'investir au niveau des gestes en percu, mais le fait qu'il n'y ait pas d'instrument, on est vraiment obligé de se concentrer que là-dessus, et du coup, peut-être ça va nous décoincer, entre guillemets, pour s'élargir, pour s'ouvrir, et pour penser peut-être aussi plus respiration, parce qu'on est plus focalisé ni sur une partition, ni sur un instrument, ni sur une technique de frappe ou quelque chose comme ça. Du coup, moi, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était gestuel et danse ou autre, donc du coup, j'étais aussi partante pour ça. Ce qui était intéressant de ce projet, c'est une vision beaucoup plus artistique peut-être, en imaginant qu'on écoute en fait un mouvement et on peut également voir un son. Et je pense que c'est un peu ce qu'on va essayer de travailler là-dedans. Aider des gens par l'image pour travailler un son et aider les gens par le son pour travailler un mouvement.